Et salut à tous, c'est Moa pour Mario Kart France et on se retrouve pour le 4ème épisode d'Actu MK. Pour cette semaine, pas d'actu MKU étant donné que nous sommes en intersaison. Néanmoins, l'actu de team et l'actu Mercato se fait riche. Vous êtes prêts? C'est parti! En ce qui concerne l'actu des teams, la Midnight Wasp, l'équipe lead par Félix depuis plusieurs années, ça va repasser à un seul roster, donc on peut dire exit à la Hornets. On va s'intéresser ensuite aux Lodives avec la Royal Academy qui ouvre un second roster, la Zeus. Et enfin, la Mystery Team revient sur les pistes, on lui souhaite bonne chance. Quelques mouvements notables ont eu lieu cette semaine, avec notamment Benny qui a quitté l'Asver pour rejoindre le second roster de la GE, la Stargazers, on vous en parlait déjà la semaine dernière. Zox et Pacom ont respectivement quitté la Princess Monarchy et la Harmonia pour rejoindre la Midnight Wasp. Coconut a quitté la Dragon Ball pour aller à l'Asver. Et pour finir, Soito a quitté l'Alliance Rainbow pour rejoindre la Team Ape. Petit rappel, parce que nous en parlions déjà la semaine dernière, nous organisons un tournoi FFA ce week-end. Vous pourrez trouver toutes les informations sur notre serveur Discord. Enfin, les inscriptions pour le MKC Frontières, le tournoi d'intersaison de MK Central, vont prendre fin dans quelques jours. N'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressé pour y participer. En tout cas, c'est ici que ce podcast prend fin pour cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine avec toutes les actus. C'était Moa pour Mario Kart France et je vous dis à plus tard.